En couture. Ông chúng tôi chúng ta cả mình to cái chúng ta cả nội tệ thì sắm nạc cả môn đoàn bị cả chun từ cầm bị tụi cả bị cái lục khí sầm phón ông chúng ta xong như điệp chun cầm bị tụi cả bị cái đấy rùm tiếng phe kỳ bẹ phón chỉ điệp tha đại sa miền phanh hà thôn thiền nè bộ bài cái sáp toàn mọt nơi lượt thứ gì đi miền cầm rật được chưa nè xong gì bàn gì tiết nằm bay ở nằm nạc cả bộ phật tử này cả bộ bài phía xa bộ phật tử bàn là o បាទតតនេះប្រាប់ការជន្ទើក្រុមសហមន្ត្រីការពិក្ដីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំរួលនេះដល់ចំពោះសាក់សី Merci monsieur le président. Rebonjour monsieur Bansik. Je reprends là où nous nous en étions arrêtés avant la pause. Vous, vous avez confirmé que Tekpok, chef de district de Barai, était une personne dont des cadres de votre connaissance vous avez parlé. Est-ce que vous savez si Hun, le frère de Sousun et le chef de la région 42, a tenu des réunions auxquelles Tepok, chef de district de Barai, était présent? Est-ce que vous le savez? Vous-même, lorsque vous avez été secrétaire de district adjoint de Chamkarle, est-ce que vous avez assisté à des réunions présidées par Eun, le chef de région 42? ខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំក៏ប៉ុន្តែមិនបានចូលរួមជុំបំពុយទេចូលប្រជុំធ្វើផែនការប្រាប់រឿងផែនការអីធ្វើអីឲ្យគេខុសគេត្រូវនៅចំការលើការពិតការប្រជុំគណៈតំបន់អាចារ្យត្រៃតើលេខាស្រុកទេបាន Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais donner la première page de la déclaration du témoin 2 TCW 850, la déclaration E3-5293, de façon à ce que je puisse évoquer le contenu de cette déclaration sans donner le nom en audience publique, si je peux, avec l'aide de M. l'huissier, remettre la première page de cette déclaration au témoin, en lui indiquant que je veux lui poser des questions à la suite de la lecture du contenu de cette déclaration, et en lui demandant de évidemment pas donner le nom du témoin en question. Monsieur le témoin, je vais vous remettre la première page de la déclaration que je vais vous faire commenter, enfin sur laquelle je vais vous poser des questions. Et s'agissant d'un témoin devant comparaître, je vous demande de ne pas donner le nom de cette personne dans le cadre de vos réponses. Est-ce que vous avez pris connaissance du nom de la personne? C'est souligné en couleur. Est-ce que vous avez vu le nom de cette personne-là
en couleur et je vous remercie de ne pas le répéter en audience. Peut-être avec l'aide de votre conseil. Je vous demande, donc, sur cette déclaration, ERN en français 00367748. 749, pardon. ERN en Khmer 00 3 4 8 8 4 2. ERN, et ça se poursuit sur la page suivante, ERN en anglais 00 3 5 1 7 0 3. Voilà ce que dit ce témoin. J'ai été convoqué une fois à une réunion qui a eu lieu à Chongkarle, en province de Kampong Cham. C'était une venant de la région qui dirigeait cette réunion. Lors de cette réunion, le supérieur a présenté un plan relatif à la culture du riz, mais aucun plan relatif aux purges n'a été présenté. À mon arrivée au district de Barai, il y avait un document comportant uniquement des instructions relatives à la protection de la frontière et de la révolution. Il y avait également un autre document selon lequel il était ordonné de traiter avec égard les habitants du 17 avril et interdit de faire la distinction entre le nouveau peuple et l'ancien peuple. Fin de citation. Ma première question, est-ce que vous avez le souvenir, lorsque vous étiez à Chongkarle, même sans y avoir assisté, d'avoir entendu parler d'une réunion présidée par Eun, au cours de laquelle un plan relatif à la culture du riz a été présenté, et au cours de laquelle on a évoqué un document sur le fait de ne pas discriminer le peuple du 7 avril. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous avez entendu parler d'une telle réunion? Ou est-ce que vous avez assisté à une réunion évoquant les mêmes sujets? Alors, dans ma traduction en français, j'ai entendu que c'était un document qui vous invitait à procéder à des exécutions. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que s'agit d'un problème de traduction? Est-ce que je comprends bien? Donc le document vous invitait à ne pas procéder à des exécutions, c'est bien ça? Oui.
bad low. Est-ce que vous avez vu personnellement ce document? បាទខ្ញុំអត់បានឃើញឯកសារទេប៉ុនអឿនប្រជុំមានប្រជុំមួយខ្ញុំបានចូលទៅស្ដាប់ដែរដោយមានការនោះដោយមានគ្រូបង្រៀនខ្លះចូលទៅបានចូលស្ដាប់ដែរឥឡូវឈប់សម្លាប់ឲ្យគ្រូអីសរមានសតទាំងអស់ទៅវិញហើយបាទប៉ុណ្ណឹងលោកអត់បានមើលឯកសារទេប៉ុនគេទៅសេឲ្យយើងកត់ប៉ុនភ្លេចអស់ហើយលោក La question qui est posée aux témoins dans cette déclaration E35293, toujours à la même page, il lui est posé la question, avez-vous vu cette circulaire? Et sa réponse est la suivante, j'ai vu cette circulaire et je l'ai même apprise. Je ne sais pas de quel niveau elle provenait, elle était élaborée sous forme de livre. Fin de citation. Est-ce que Eun vous a indiqué d'où venait cette circulaire? Première question, est-ce que Eun vous a donc indiqué, quand il vous a parlé de cette circulaire, d'où elle provenait? Quand vous dites peut-être, ça veut dire que vous ne savez pas que vous a-t-il dit que vous a-t-il dit exactement au meilleur de vos souvenirs. Si vraiment vous ne vous en souvenez pas, je ne vous demande pas d'inventer, je vous demande simplement le terme qu'il a utilisé si vous vous en souvenez. Vous avez évoqué vos fonctions de secrétaire adjoint du district de Chamkarle. Est-ce que, dans le cadre de vos fonctions, vous occupiez également de mariage? Est-ce que vous avez assisté, dans le cadre de vos fonctions ou en dehors de vos fonctions, à des cérémonies de mariage? Est-ce que vous savez qui avait en charge l'organisation de ces cérémonies? Ce même témoin, document toujours E3-5293-00-36-77-51 en français, en Khmer 00-34-8-8-4-4, ERN en anglais 00-35-1-7-05. Voilà la question qui est posée à ce témoin.
Qui pouvait autoriser les mariages? Sa réponse a été la suivante. On décidait des mariages pendant des réunions entre le district et la commune. Le mariage était décidé en fonction de plusieurs éléments. Premièrement, l'âge, au minimum 18 ans pour la femme. Deuxièmement, leur amour, s'ils s'aimaient réellement. Troisièmement, l'accord des parents. Fin de citation. Est-ce que dans le cadre de réunions de district ou de la commune auquel vous avez assisté, vous avez souvenir d'avoir assisté à de telles discussions à propos de mariage? Encore une fois, au meilleur de vos souvenirs, si vous ne vous en souvenez pas, je ne vous demande pas d'inventer. Je voudrais revenir sur différents termes que vous avez employés et qui d'ailleurs n'ont pas forcément été correctement traduits dans ma version française. Dans le document E319-19.3.73, à l'ERN en français 00841972, à l'ERN en Khmer 00800956, et à l'ERN en anglais 00841967. Vous évoquez les arrestations qui ont eu lieu à Krochmar. Et voilà ce que vous avez dit. C'était alors les gens des communes qui arrêtaient certains habitants et les envoyaient aux gens de district. Puis les gens de district envoyer les dossiers aux responsables de région, ces derniers les envoyer aux responsables de zone, puis les gens de la zone les envoyer, alors en français ça a été traduit comité central, mais en khmer c'est le terme machum que vous avez utilisé, qui voudrait dire le centre. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien que machum, ça veut bien dire le centre? Et en précision, qu'est-ce qui est selon vous le centre? Pendant la période du Kampuchea démocratique, est-ce que vous saviez à quoi correspondait, enfin à quelle personne correspondait ce centre, ou est-ce que c'était un terme générique qui était utilisé? Mais est-ce que vous avez, au cours du Kampuchea démocratique, rencontré l'une de ces trois personnes à un moment donné? Est-ce que vous savez comment étaient prises les décisions à ce sommet, à ce centre, comme vous l'appelez? Est-ce que vous savez comment étaient prises ces décisions?
xong lịch hai anh em cả đôi thà ta xe ai cả xa lộ vĩnh cả thầm rách cứ thập xong anh em cả mình chơi như vậy bị đau ta xe xong chơi như vậy anh em cả luôn Je ne vous demande précisément pas d'opinion, je vous demande est-ce que vous saviez, tout à l'heure, je vous ai posé des questions sur est-ce que vous avez assisté à des réunions du comité permanent de zone, vous m'avez répondu non, vous avez répondu un certain nombre de choses à mon confrère Copé en indiquant que au niveau que vous aviez, il y avait des informations que vous n'aviez pas. Donc, dans le même sens, je vous demande simplement de répondre au meilleur de votre connaissance, à savoir, si vous savez, vous savez, et si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Donc, ma question est de savoir, est-ce que vous saviez à quoi correspondait le chiffre 870 ou le bureau 870 que vous avez évoqué au cours de votre déposition. Bah, mon petit bail de chat, non, que tu n'as pas de chambre, hein? Tu n'as pas de chambre, bail de chat, là, quand le va. Est-il exact de dire que vous ne savez pas combien de personnes faisait partie de ce bureau, ni combien de personnes, ni à qui faisait exactement référence 870 lorsqu'on évoquait ce nom. Est-il exact de dire que votre supérieur hiérarchique direct, lorsque vous étiez au district de Chamkarleu, était le secrétaire de district? Est-il exact de dire qu'à part la conversation dont vous avez fait état avec Son Sen au sujet de votre affectation à Kepok, en dehors de cette discussion, vous n'avez pas eu d'autres discussions avec Son Sen, ou est-ce que j'ai mal compris? Alors, j'ai cru comprendre de votre déposition que vous avez eu un entretien direct avec Son Sen et qu'au cours de cet entretien, il vous avait dit, il avait évoqué le sort de votre frère en disant que vous n'aviez pas dit toute la vérité dans votre biographie, mais que vous n'aviez rien à craindre et qu'il fallait que vous retourniez travailler avec Kepok. Est-ce que j'ai mal compris votre déposition? ដល់គាត់ថា
ខាងមុខគេកំទេចហើយគាត់ចង់យកបោះជើងមកគាត់ក៏ទៅឡើងមុខថាមិត្តកំភៃមិត្តឯងទៅនៅមួយមិត្តពកមិត្តអឿនវិញទៅប៉ុន្តែឯងលោក Et ma question est donc de savoir si cette conversation avec Son Sen est la seule que vous ayez eue avec lui. ពីដងមួយដងប្រជុំធ្វើផែនការមកធ្វើមកជាជនទៅការដ្ឋានឹងឬកងទ័ពមួយដងទៀតបានផាយជាមកខែម្ដងផងហើយទៅម្ដងទៀតដល់ធ្វើវត្តរូបរៀនសូត្រជាមួយគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើរួចគាត់ហើយចូលទៅបន្ទប់ហើយនិយាយប្រាប់ចូលមុខមកធ្វើមិនអីធ្វើប្រវត្តិរូបកុហកដល់ខ្ញុំភ័យដែរដល់ទៅពេលនេះបានគាត់ប្រាប់ថាប្អូនមិនអីគេកំទេចហើយខ្ញុំបោះជើងក៏អីគាត់មើលមកភ័យពេកគាត់ថាកំភ័យមិនអីទៅមិនពោគាត់អឿននឹងទៅប
Est-ce que vous avez entendu parler d'une vague d'arrestations de Cham à Trier? Et est-ce que, surtout, vous avez ordonné la détention de Cham à Trier? បាទខ្ញុំបាទបានឆ្លើយថាការនោះបានតែរៀបចំអំពីការបោះរួចបាទបានឡើងទៅរៀបសូត្រហើយសន្ធិសញ្ញាបានធ្វើផែនការឲ្យមកសមរភូមិបង្កបង្កើនផលដើម្បីរៀបចំប្រមូលជនឲ្យបង្កបង្កើនផលនឹងប្រមូលកងទ័ពដើម្បីបញ្ជូនទៅមុខព្រោះទៅធ្វើការដណ្ដើមហើយនោះខ្ញុំបានបានគិតអំពីការសម្រាប់ទៅទេព្រោះខ្ញុំបាន Dans une déclaration qu'il a faite intérieurement à sa comparution à l'audience du 8 septembre 2015, Monsieur Itsen, document E1-343.1, un petit peu après 11h19.06, confirme une déclaration antérieure dans laquelle il dit que il y avait un Seng qui était SENG, qui était en même temps chef de la commune et chef militaire de la commune. Est-ce que vous avez le souvenir d'un certain Seng qui était dans une commune dans le district de Krochmar? Avant d'évoquer les autres témoins de Cham qui sont venus déposer devant cette chambre, je voudrais une précision sur la période à laquelle vous êtes arrivé à Krochmar. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait que la situation était chaotique, d'abord à Monsieur le coprocureur international et ensuite à mon confrère. Vous avez indiqué qu'il y avait eu un incident au cours duquel un milicien avait tiré sur votre assistant. Première question, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel était le nom de cet assistant qui a été blessé? Et ensuite, dans quelles circonstances exactes il a été blessé? En tant que chef de district, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous aviez la responsabilité de miliciens ou de soldats du district? ជួយធ្វើការគឺថាការមួយគ្នាដើម្បីរៀបចំពង្រឹងរដ្ឋអំណាចគាត់តែមានការបោះបោរួចមរយៈហ្នឹងគឺខាងលើហើយទៅជួបហើយទៅធ្វើការដើម្បីរៀនសូត្រសូត្រដល់ដាក់ផែនការមកថាសភាពការវិវត្តតាំងតៃហើយការនោះខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់សួរថាមិត្តហើយបើយើងចាញ់គេយើងទៅណាខ្ញុំថាទៅថៃគាត់ថាថៃណាបើយើងវាយថៃដែរហ្នឹងទៅណាចឹងបាទប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
Donc, si je comprends bien, quand vous faites état de situations chaotiques, vous ne faites pas seulement référence à la fuite de Sao Pim, de Chisim, du côté du Vietnam, mais vous faites également référence à des combats, c'est bien ça ? J'ai cru comprendre que parmi vos attributions à Krochmar, vous deviez recruter des soldats pour aller combattre à la frontière vietnamienne. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous avez effectivement procédé au recrutement de soldats ? Et est-ce que vous pouvez indiquer, si au meilleur de vous souvenir, à quelle période de l'année 78 cela se passait ? Je vais vous relire un passage de votre déclaration E3-375 et vous allez m'indiquer si c'est bien cela. Cela à quoi vous faites référence. Donc E3-375, ERN en français 00369916. ERN en anglais 00360754 et URN en Khmer 00348793 et ça se poursuit sur la page suivante. Voilà ce que vous dites. Nous avons fixé un plan pour chaque commune de recruter les militaires d'après le besoin de l'échelon supérieur, par exemple 5 ou 10 personnes par commune. Ensuite, chaque commune m'avait envoyé les combattants que j'ai entraînés et armés. Je me rappelle à ce moment-là avoir recruté 200 militaires, mais l'échelon supérieur n'avait exigé que 100. Fin de citation. Donc est-ce bien cet événement auquel vous faites référence, est-ce que vous avez bien recruté 200 militaires dans les différentes communes du district de Krochmar ? ដោយខ្ញុំរីកាពីមុនតិចហ្នឹងគឺថាកងតមកចំគេធ្វើការមានកងធម្មតធ្វើការលីសូថារៀបចំពីរយអ្នកគេលោកខ្ញុំមានផែនការក្បត់ខាងលើហើយទៅជួបទៅសួរថាម៉េចណាឲ្យមិនអីរៀបកងតពីរយខ្ញុំបាទឆ្លើយថាខ្ញុំរៀបសម្រាប់ស្រុកមរយសម្រាប់បញ្ជូនទៅប៉ខាងថ្មភូមិមរយហើយគាត់អត់មាត់បាទគាត់បែរមកនិយាយអំពីប្រវត្តិរូបដែលធ្វើនឹងវិញបាន
vous poursuivez toujours sur la même portion de votre déclaration en indiquant ces militaires, c'était pour les confier au camarade Ron, alias San Kung, qui était chef d'une unité spéciale. Et là encore, en français, ça a été traduit comité central, alors que le mot en khmer est le centre Machum. Vous dites, vous précisez que San Kung est actuellement conseiller du gouvernement royal à Anlong Veng, et vous dites, à ce moment-là, il avait 400 militaires spéciaux pour organiser la défense. Fin de citation. Est-ce que ce recrutement des militaires et l'organisation de la défense dont vous parlez était en lien avec les combats avec le Vietnam ou est-ce que c'était autre chose? Vous poursuivez ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure, toujours sur votre déclaration. Sun Sen m'a demandé pourquoi j'avais créé l'armée, si je voulais fomenter une trahison. Je lui ai répondu que non, que j'avais confié 100 militaires au parti et que j'avais gardé les 100 autres pour défendre le district. C'était seulement plus tard que j'ai envoyé à San Kung ses 100 militaires. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Si j'ai bien compris ce que vous avez ensuite expliqué à Sun Sen et ce que vous nous avez dit, c'est que c'est vous tout seul qui avez pris l'initiative de recruter plus de soldats que ce qui vous avait été demandé par l'échelon supérieur et que les 100 soldats supplémentaires, vous les aviez d'abord affectés à la protection du district. C'est bien ça. Est-ce que vous savez si dans d'autres districts de la zone Est, il y avait également des responsables de district qui avaient pris l'initiative d'avoir des soldats de district sans même que l'échelon supérieur leur ait demandé? Est-ce que vous savez cela? Tout à l'heure, vous avez évoqué les combats à la frontière vietnamienne. Vous l'avez également évoqué avec mon confrère lorsque il vous a cité un passage de la déposition de Kepik Vanak, le fils de Kepok. Est-ce que vous vous souvenez quand ont commencé les combats à la frontière vietnamienne? ដែលគេចាប់ដើមប្រយុទ្ធគ្នានៅព្រំដែនវៀតណាមនោះតាមខ្ញុំដឹងខ្លះៗមិនច្បាស់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធនោះវាមករយៈពេលខ្លីហ្មងដល់ថុំបីតាកែមុនដំបូងការចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលដល់ចាប់អស់ហើយកម្មាភិបាលខ្លះដែលគាត់មានស្មារតីតស៊ូរបស់ខ្លួនគាត់គាត់ទៅវៀតណាមទៅដូច្នេះ Comment vous avez eu ces informations? Pour
pour me dire chắc là ai mong phụ chúng bạn nơi nưng à đây phụng ta đây hát tọp nưng có phlương về nơi chất chất đà phụ về nó con sống ngắt nưng kì kia bị chi chôn nơi phụm chvạc đai phụ bầy kia tới chô phê ngôi ở tới Việt Nam ở đối chớ hang đó có tha vì bị chi chôn có mần sốc mần sngọp tha phụp phụp đối thầy chvạ chẳng đối thế dương đã đặt đất nó khai bị chi chôn phóng na khai nơi nâng phong phù riệp tốp tốt thân nhạc tốt khu chmà ấy bố dô mà thua tốp Est-ce que vous avez personnellement assisté à la défection de certains soldats pour aller s'enfuir du côté du Vietnam, pour aller rejoindre des forces au Vietnam? J'ai retrouvé la référence d'ici peu, mais il y a un passage d'une de vos dépositions au cours de laquelle vous dites que parmi les 200 soldats que vous avez formés, 100 d'entre eux ont pris la fuite et sont entrés en combat avec les forces du Kampuchea démocratique. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration? ແມ່ໆນັ້ນຊັ້ນຖ້າມັນອ້າຍຄືມັນສຳຫຼັບເດໂດຍຊະນັ້ນກໍອ້ອຍບ້ອງບ້ອນຜັດໄພວ່າລະຂ້ອຍຕາຂ້ອຍນັ້ນກໍອ້ອຍມາຕໍາແນ່ອ້າຍເດໃຫ້ເນຍຊາມນະໃນຫມູ່ມະນະເດນະດັດຕິເດອັນນັ້ນຫາຍກາປັດນະໃນກະດາລຸມານປະມານນະນັ້ນອາດມີຕູ້ຈະລອງກະໃຫ້ຕະເລຊລອງໄດ້ອ້າຍກອງຕອບໃນນັ້ນກໍບັກບໍກໍໂຕຈະເລື່ອງຫນ່ວຍທີ່ຂ້ອຍມັນດັງເດໂດຍຊະນັ້ນສ
Et lorsque vous avez été affecté à Croque-Chemar, vous êtes sûr de ne pas avoir entendu parler d'une enquête de ce type? Vous avez indiqué avoir vu des cadavres sur le Mekong. J'ai cru comprendre de votre déposition que vous avez compris qu'il s'agissait de militaires. Est-ce que vous savez de quel bord ils étaient? Et avez-vous, à un moment quelconque, évoqué cet incident avec notre responsable? Je vous demande si vous avez évoqué cet incident de cadavre sur le Mekong. Est-ce que vous en avez parlé avec un quelconque responsable, que ce soit un responsable au niveau du secteur ou un responsable au niveau de la zone? Et quand vous dites « on vous a dit », de qui parlez-vous? J'ai retrouvé, avec l'aide de mon équipe, le passage que je voulais évoquer avec vous tout à l'heure quand je parlais des 100 militaires qui auraient fait défection. C'est toujours le document E3-365, ERN en français 00-369-920, ERN en Khmer 00-348-798, ERN en anglais 00-360-758. Voilà ce qui est indiqué. Un jour après mon arrivée chez moi, situé à la région 42, dans le district de Croque-Chemar, un problème a eu lieu. Les 100 militaires que j'avais entraînés et gardés pour être permanents au district de Croque-Chemar se sont enfuis dans les forêts pour se révolter contre nous. Plus tard, il y a eu l'évacuation des habitants du district de Croque-Chemar vers la région 42 située dans la zone centrale. Fin de citation. Donc ma question est la suivante, est-ce que oui ou non, vous avez eu vent du fait que 100 militaires que vous aviez entraînés pour être au district ont
se sont enfuis et se sont révoltés. Monsieur le Président, je vais passer à une autre ligne de questionnement. Je ne sais pas si vous voulez marquer la pause maintenant. បាទអរគុណឥឡូវដល់ពេលសំស្របសំប្រាប់នៅសម្រាប់ដែរហើយមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង3ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ការសម្ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរាល់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំមានផ្សាក់ស្័យដល់ស័ក្ស័យរូបនេះនៅក្នុងឡុងពិជប់សម្រាប់នឹងឲ្យជើងគាត់រួមទាំងមានវិភាកសាស័យ Some joke culture.